Entre quatre vestes et de buissons, déferle un flot de pression. Chaque partie porte son lot de frissons. Partage, fair play. Tous parés pour la compétition, symbole d'une génération. Stimuli, plaisir et passion, amitié, respect. Entre quatre vestes et de buissons, déferle un flot de pression. Chaque partie porte son lot de frissons. Partage, fair play. Tous parés pour la compétition, symbole d'une génération. Stimuli, plaisir et passion, amitié, respect. Allez, à demain, Héloïse. Salut, Mia. Mademoiselle Héloïse a passé une bonne journée. Bof, une journée de classe, quoi. Et vous, Antoine? Je reviens, Antoine. Salut, coup de boule. Chut, moins fort. Tu fais bien partie de l'équipe de l'Institut Riflore. Ok, Dak. Alors, j'ai un message pour ton équipe de la part de Requin. Hein? Mais comment je vais le transmettre aux autres, moi? Ça, c'est ton problème. Moi, je dois juste dire que vous avez rendez-vous demain à l'ancienne usine de sardines pour le grand vote. Le grand vote? Mais c'est quoi? Oh, tu sais rien, toi. C'est le vote des capitaines du foot de rue. Pour savoir si votre équipe est acceptée ou pas. Le grand vote, quoi. Allez, salut. Mais attends! Quoi? Requin nous avait dit qu'on était une équipe de foot de rue, alors c'est quoi ce truc? Requin, il peut pas décider à la place des autres. C'est déjà lui qui vous présente à la réunion secrète. C'est pas mal, non? Et puis faites gaffe, c'est pas joué d'avance. Y'a des coriaces en ville. Antoine! Oui? Ça vous ennuie de rentrer sans moi, Antoine? J'ai une course super urgente à faire. Comme mademoiselle voudra. Mais madame la comtesse sera sans doute très étonnée de ne pas vous trouver dans la piscine à son retour comme tous les soirs. Amélie, un petit bain dans ma piscine? Bah oui, mais... Eh bien, c'est comme si c'était fait. Passez-lui un de mes maillots de bain. Ma mère ne fera pas la différence. Bien, mademoiselle. Tu vois Didier Dupré, Gabriel, l'avant-centre du Star Club. Il me ferait un père génial. Regarde, on se ressemble à Donf. On est bruns tous les deux. Mais, Tag, et tu sais quel âge a Dupré? Ben ouais, 22 ans. Et toi, 13. Alors calcule. Ouais, je le savais. Ah, Gabriel, vous êtes là? Non. Vous avez de la visite. La petite comtesse Riflore. Héloïse? Tu viens, Dag? Bof, qu'est-ce qu'elle vient faire ici, celle-là? Petite, là, je vous dis tout. Oh, Héloïse! Et c'est sympa de te voir chez nous. C'est ce qu'on lui disait, pas vrai, Dag? Tu viens pourquoi? Comme ça, pour avoir de vos nouvelles. Ça va pas? Voir comment ça se passe pour vous après les cours, quoi. Faut qu'on parle, ça urge. Sympa. Eh bien, on va te montrer la cour. Bon alors? Voilà, c'est super urgent. Bonjour mademoiselle Adélaïde. Je suis juste passée comme ça. Bonjour Héloïse. C'est gentil de faire une visite à nos pensionnaires. Merci mademoiselle. Vas-y. Il y a un message super important de la part des requins du port. Chut. Faut qu'on se voit ailleurs. Eh bien, tu nous diras ça un autre jour. Salut Héloïse, c'est sympa d'être passée. Salut! Rendez-vous au bas de l'escalier, passage Jules César, dans 5 minutes. Faut se débarrasser de Tony. Tech et moi, on peut s'occuper de l'espionner si tu veux. D'accord.
En un instant, Gabriel et moi, on rejoint la comtesse par le passage secret. Ça roule. Petit, on t'a vu. Alors, même pas vrai. Ah ouais. Les technos, attendez. Mais c'est quoi ce rendez-vous? Vite, elle va y être. Ouais, bon, ça va. Non! On fait pas ça, Tag. Faut pas que t'ailles en bas. Il y a un rat géant qui boit le sang des élèves. Et t'entends pas comme il grogne? Écoute. Tu es capable de garder un vrai secret, petit dragon. Et vous aussi, les filles? Bon, alors on va tout vous dire. À l'Institut Riffleur, les grands doivent protéger les petits du rat géant. C'est leur mission, une mission très dangereuse. C'est pour ça que vous ne devez pas aller dans la cave. Et aujourd'hui, c'est le jour de la cérémonie des disparus. Ceux qui ne sont jamais revenus de cette mission. C'est pour ça qu'on doit y aller, pour leur rendre hommage. Moi aussi, je veux aller à la cérémonie des disparus. Allez, s'il te plaît, Tag, je te jure, on dira rien à personne. T'es encore trop petit. L'année prochaine, on verra. Allez, file, petit dragon. Et vous aussi, les filles. Allez, on y va. Oh non, les gars, je vous jure, j'espionnais pas. Enfin, pas beaucoup. Arrêtez, quoi. Silence. Oh non. Tony, pour espionnage de tes anciens copains, tu es condamné au cachot à perpétuité. Jusqu'au fin de ce soir. Oh non, les gars, soyez sympas, pas le cachot. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Tant pis, je retourne les voir à l'institut. Hé, Héloïse, attends. Gabriel? Bah, où tu vas? C'est bien ici le rendez-vous. Mais c'est quoi cette sortie? Bah, c'est notre passe... Gabriel! Alors, ce message de requin, c'est quoi? C'est pour le grand vote de demain soir, à l'ancienne usine de sardines. Tous les capitaines de foot de rue de Port-Marie seront là. Quoi? On va rencontrer les autres équipes? Ah, c'est génial! On va jouer contre d'autres équipes! Attends, c'est pas ça, Tech. Ils vont juste décider s'ils nous acceptent dans l'organisation secrète du foot de rue. C'est le grand vote, quoi. Et nous, on doit faire quoi? Ouf! Tout ce que je sais, c'est qu'il y a certaines équipes qui pourraient poser problème. En parlant de problème, on en a un autre, c'est Tony. Il connaît le passage secret, faut faire quelque chose. Un passage secret? Un vrai? Écoute, Tag. Il faut bien lui montrer le passage. Pas question. C'est le secret de la grande classe depuis des années. Elle ne fait pas partie de l'institut. D'accord, mais c'est une Riffleur. Et elle fait partie de notre équipe. Ouais, c'est vrai, Tag. Et puis demain, on fait comment? Demain, on te retrouve ici. Et nous, on change la combinaison pour fermer le passage à Tony. Désolé. T'inquiète, Héloïse. Je te parie qu'il va changer d'avis. Je l'espère tellement. À demain. Oui, elle m'a souri. C'est trop génial. T'en as mis du temps. Allez, on commence par inverser les robinets de vapeur. Et faites attention à vos doigts. Oh, mais tu plaisantes. L'exposition Canto Forgia. Mais c'est une pure merveille! Tu t'amuses bien, ma chérie? Mais bien sûr, très chère, quand vous voulez. Voilà, c'est fini! Bon, alors écoutez bien, voici la nouvelle combinaison secrète. Deux booms, trois sifflets, un boom, deux sifflets. Deux booms, trois sifflets. Un boom. Deux sifflets. Il pourra toujours essayer de passer, Tony. Justement, c'est l'heure. Il faut libérer Tony. Et
adorable petit ensemble à poids, tu l'as vu? Comment? Mais bien sûr que c'est hors de prix, sinon où serait le charme? Ah bon? Mais où as-tu vu ça? Et tu crois qu'ils le font dans toutes les tailles? Merci. Remarque, ça me tue d'aller chez Heroico, pas toi? C'est plus cocoon chez Gucci, non? J'ai fermé de voir, maman. Merveilleux, ma chérie. Alors, tu me disais pour Gucci? Ça y est, Tony, tu peux sortir. Mais c'est pas possible. Je vous jure qu'on l'avait mis là. Vous avez perdu quelque chose? Un chrono. Si c'est Tony que vous cherchez, il doit encore être dans le bureau de madame la directrice. En train de se plaindre des traitements que vous lui avez fait subir. Attendez, Chrono, faut pas croire Tony, il est toujours... Est-ce que tu es sûr que c'est la bonne défense, Gabriel? Mais monsieur, c'est juste que... Ta, je n'ai pas été assez clair avec toi, Tag. Il faut peut-être que je te rappelle les termes de notre accord. Mais monsieur, il... J'accepte certaines de vos activités secrètes à trois conditions. Premièrement, qu'elles ne concernent que le foot, et le foot de qualité. Deuxièmement, que vous formiez une véritable équipe. Et là aussi, une équipe de qualité. Et troisièmement, que je sois toujours tenu au courant de vos activités pour en être le seul juge. C'est vu cette fois? Alors, je t'écoute. Vas-y, Tag. Bon, d'accord, monsieur. Je vais tout vous dire. Un peu de silence, on fait l'appel. Vagabond du parc, salut la classe. Barracuda du centre commercial, salut Val. Vampire des boulevards, salut Fred. Eh oh, on n'est pas à l'école. Alors allez où ta nouvelle équipe, requin? Je te préviens que nous, les fantômes de la cité, on n'a pas de temps à perdre avec des ringards. Parle pas trop vite, Ben. Et puis tu verras toi-même, ils vont arriver. Salut Gabriel. Tag n'est pas avec toi? Il arrive. Il règle juste le problème Tony. Deux boum, trois sifflets, un boum, deux sifflets. Bonne chance, Tony. Deux sifflets, un boum. Trois sifflets, deux boum. Ah, oui, ah. Ah non, mais attends, c'est quoi? Oui. Vite, on est en retard. On y va maintenant? Attends. C'est bon, on peut y aller. Dis, ils se prennent pour qui, tes nouveaux requins? Pour des stars toujours en retard? Je t'ai dit qu'ils allaient venir, j'en suis sûr. Ouais, moi je les sens pas. Quand on se présente au grand vote, on n'arrive pas en retard. Excusez-nous, on a eu un petit problème pour préserver le secret de cette réunion. Eh ben, ça promet. Non, mais vous avez vu ça? Ça veut devenir une équipe de foot de rue et ça fait attendre les anciens? C'est tout ce que tu nous as trouvé? Tu baisses, requin, je te le dis, moi. Bon, si Ben a fini son cinéma, on va pouvoir passer au vote. Comment ça, passer au vote? Mais je sais rien d'eux, moi. Ni ce qu'ils valent avec un ballon au pied, ni si on peut leur faire confiance. Rien du tout. Pas vrai? Attends, mais nous non plus, on ne sait rien de toi. Si on peut te faire confiance. Et pour ce qu'on vaut avec un ballon, on te le montre quand tu veux. Un défi? Le nouveau m'a lancé un défi. Et vous avez entendu ça? J'y crois pas. Requin, puisque c'est toi qui préside, c'est à toi de prononcer le défi. Ben a raison. Il y a bien défi. Tu veux affronter cette équipe? C'est ça? Pour l'instant, j'en ai rien à faire de cette équipe. C'est lui que je veux. Si tu veux vraiment me battre, autant te prévenir tout de suite. Nous, on se bat qu'avec ça. Hey, minute, le nouveau. Tu m'as défié? Alors c'est à moi de choisir comment ça se règle. Non. Ici, on est au port.
Et au port, c'est moi qui décide. Vous voulez tous savoir ce qu'ils valent, pas vrai? Alors on fait un match au premier but. D'accord. Je vais chercher mon équipe. Non. Ils sont cinq et nous sommes cinq capitaines ici. C'est face à nous qu'ils feront leur preuve. Comme ça, on saura comment voter. Toi, je te laisse le choix du terrain. Bien. Il faudra te méfier de Ben Tag. C'est le roi des coups tordus. Ne lui fais jamais confiance. Prendra bien quelques choux. Quoi? Tu veux faire le match ici? Et alors? Mais c'est un coup à faire des embrouilles, ça! J'ai le choix du terrain, non? Et puis si les nouveaux ont peur des ennuis, qu'ils te le disent tout de suite. Ça sera voté d'avance. Bon, on commence. Explique-nous les règles et tu verras. C'est pas compliqué, c'est un match normal. Sauf qu'il s'arrête au premier but marqué. C'est Ben qui va choisir l'emplacement des buts. Notre but à nous, il est là. Dans le passage. Et le vôtre, il est là-bas. Mais t'es fou? C'est la boutique du coiffeur. J'ai le choix du terrain et celui des buts, c'est la règle, vu? Tu vas être déçu, Ben, pas un seul ballon ne passera. T'en fais pas, Héloïse. Gabriel et moi, on reste en défense. Les technos, vous, vous restez à l'avant, quoi qu'il arrive. Dès qu'on peut, on vous fait la passe et vous placez votre botte secrète, d'accord? On y va! Je m'en charge! Réputation, moi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Quel tordu, Spec! Oh là, faut que je l'arrête! Et alors, on me fouille! Excusez-moi, madame, je vais tout ramasser. Ramasser? Gangster, je vais... Vous avez bien fait, Madame Vera. Et vous avez vu ce qu'ils ont fait à mon bébé, ces voyous? Ils méritent la prison. Et puis j'ai vu tous les coupables, moi. Je donnerai leur signalement. Vous verrez, il y aura des portraits robots.
tête. Alors, on tient pas le coup? T'en veux encore, Tag? Quel tordu, ce Ben. Je leur avais dit de faire attention à lui. Joue! Manier, on va se faire lâcher si on reste ici. Et maintenant, le coup de grâce. Mais il va tirer contre son camp, ce barge. Albert, la police arrive, vous ne les laissez pas s'enfuir. Je vous ai vu, oui, vous cinq. On se retrouvera, je vous le garantis. Et si c'est pas moi, ce sera la police. Qu'est-ce que vous en dites? Avis de tempête, les gars. Je crois bien que le foot de rue à Port-Marie, c'est fini pour vous. Oui. Attendez, les technos. Il y a un autre moyen. Le match n'est pas fini. Eh, mais vous avez pas le droit. Non. Tag, Héloïse, Gabriel, Tekeno, puisque vous avez relevé le défi avec succès, nous allons procéder au grand vote. Capitaine des équipes de foot de rue, acceptez-vous cette nouvelle équipe à Port-Marie? Au nom des vagabonds du parc, je vote oui. Les barracudas du centre commercial, c'est oui aussi. Je suis d'accord avec eux. Et les vampires de boulevard le seront aussi. Un, deux, trois, et avec moi, ça fait quatre. Et pour les fantômes de la cité, Ben, on t'écoute. Pas vraiment le choix. Ok. L'équipe de foot de rue de l'Institut Riffleur est acceptée à l'unanimité. Moi, je suis dans le foot de rue. Ouais. Y a pas ça. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a qu'on n'a pas encore fini. Il manque quelque chose d'important. Deux boum, trois sifflets. Un boum, deux sifflets. Je jure, sous la tête de ma mamie Riffleur, que je ne dirai jamais à personne le secret du passage de l'Institut Riffleur. Ah ouais. Merci beaucoup, les garçons. Salut, Héloïse. Ouais, j'y crois pas. Ouais, ils m'ont adopté. Génial, quand mamie va savoir ça. Entre quatre vestes et deux buissons, déferle un flot de pression. Chaque partie porte son lot de frissons. Partage, fair play, foot de rue. Tous parés pour la compétition, symbole d'une génération. Stimule, plaisir et passion. Amitié, respect, foot de rue. Entre quatre vestes et deux buissons, déferle un flot de pression. Chaque partie porte son lot de frissons. Partage, fair play, foot de rue. Tous parés pour la compétition, symbole d'une génération. Stimule, plaisir et passion. Amitié, respect, foot de rue. Partage, fair play, foot de rue.